Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouveau petit coin ici derrière moi. Ça va être mon nouveau petit coin spécial coloriage. Voilà, que l'on a installé cet après-midi avec Chouchou, mon mari, dans la pièce en bas, donc dans la salle à manger. Voilà, donc c'est un bureau, je vais vous montrer ça. Et donc j'ai à peu près tout installé. Il reste encore quelques petites choses que je dois aller rechercher en haut pour remettre en bas. Voilà, et j'ai une étagère que je vais vous montrer que j'ai pris hier à Action et que je dois fixer au mur. Voilà, alors là, il y a Fifi qui arrive sur mes genoux. Voilà, bonjour Fifi. donc je vais vous montrer. Pardon, je vais vous montrer ça. Bon, allez, ça y est, elle est accrochée à mon pull. Voilà. Oh là là, avec la griffe. Alors, je vais vous faire découvrir ça. Voilà, elle va partir avec les toutous, c'est mieux. Je vous montre ça. Et donc, il ne manquera plus qu'une chaise. Bon, pour l'instant, je vais prendre la chaise de la salle à manger. Là, je suis assise dessus. Mais bon, je verrai un peu plus tard pour prendre une petite chaise de bureau. C'est pas ce qu'il y a de plus urgent pour le moment. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça. À tout de suite. Alors, voilà mon nouveau petit coin, donc le nouveau bureau. Donc, voilà. L'étagère qui va devoir être au mur, c'est celle-ci. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux ce que j'ai installé. Il y a Fifi derrière qui veut me faire des caresses. Alors, je vais essayer de me mettre au mieux pour vous montrer ça. Je vais passer devant. Hop, 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 je passe devant. Alors, voilà, ça c'est l'étagère. Je vais enlever les pots pour que vous puissiez essayer de la voir. Voilà, donc c'est l'étagère que j'ai achetée à Action, donc hier ou ce matin, non, hier. Voilà. Donc, elle va être fixée au mur. Donc, en attendant, j'ai mis les petits pots comme ça. Donc, les petits pots à crayon. Donc là, j'ai mis dedans. Alors, j'ai su mettre à un crayon près. Un feutre près, il y en a un seul qui ne rentre pas dans le pot. C'est les nouveaux brush pen métalliques d'Action que je vous avais déjà présenté. Donc il y en a un seul qui ne rentre pas dedans. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai mis un peu de tout. J'ai ma gomme électrique. Les nouveaux, ben ceux-là je ne vous les avais pas encore présentés, je les ai reçus aujourd'hui. Donc c'est les fameux feutres fins noirs, voilà, Micron, dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc ça c'est pour le dessin, pour faire quand il y a des détails assez fins à faire au feutre noir. Donc il y a les mines 0,25, 0,45 et 0,5. Voilà. Donc après dedans j'ai stylo, j'ai mes pinceaux d'aquarelle, mon stylo blanc que je vous avais présenté, puis d'autres stylos, voilà, et donc ma gomme électrique qui sera comme ça à portée de main. Ensuite, alors je vais acheter un set à Action qui donnait donc un pot, qui donnait ce petit carré où on met normalement du post-it. Il y avait également un trieur papier. Il y avait également, je vais vous le montrer, j'ai rangé mes livres dedans. C'est un trieur. Et il y avait un support à carte de visite. Mais ça, je ne l'ai pas mis. Je vais m'en servir en haut. Donc là, dans le petit pot à post-it, j'ai mis ma réserve de gomme pour la gomme électrique, mes ciseaux, un tube de colle,
mon essence, mon pot de drawing gum et la petite éponge également. Oh, ma petite éponge pour l'essence. Voilà. Comme ça, j'ai tout sous la main. Mon taille crayon. Voilà. Ici, alors je vais essayer de vous redresser ou de vous avancer, je ne sais pas. J'essaye de faire au mieux, voilà, comme ça sera peut-être mieux. Ici, donc, je vais l'allumer. Voilà. Donc, c'est une petite lampe que j'ai trouvée cette semaine à Lidl. Plus pas mal, qui prend pas de place. Elle faisait dans les 8,90 €, je crois. Donc, je vais essayer de vous avancer. Voilà. Donc, ça me suffit. Dans le trieur, ben, j'ai mis mes livres que je vous ai présentés cette semaine, le nuancier. Le nouveau livre de coloriage que j'avais acheté, le Luna, et derrière j'ai le livre de coloriage que je suis en train de colorier, le chinois. Voilà, hop, ici j'arrive à le remettre, et celui de Simpuck également. Ensuite, alors je vais vous balader un petit peu. Donc là il y a mon écran, l'ordinateur, je vais le baisser un peu. Voilà. Donc derrière il y a ma boîte de, parce qu'ils ne rentrent pas dans les tiroirs, elles sont trop grandes. Donc ma boîte de Castel Art Supply. Voilà. Et ma boîte de crayons watercolor, voilà, de Zenacolor. Donc ce sont des crayons que l'on peut faire à l'eau, que je vous ai présenté également. Et maintenant les tiroirs. Alors, le premier tiroir, j'ai mis, alors j'ai pas beaucoup de livres de coloriage, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon mari, donc ça c'est en action. Je vais redéfinir le zoom un peu, voilà, celui-là, Magic Autumn. Celui-là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Hein. Souvent, je fais mes essais dessus. Simplement relax. Alors, celui-ci, je n'ai encore jamais fait de coloriage dessus. J'ai du mal à m'y mettre. J'ai beaucoup de mal à me mettre dessus. Mais bon, peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre. Mais pour l'instant, j'ai du mal à commencer. Sinon, il est beau, hein. Mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à m'y mettre. Donc, c'est le Art Déco sans coloriage. Donc, ici en haut, donc c'est les livres. Vous voyez, donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup de livres. Oh. Non, on pleure pas. Alors, le deuxième. Ah, il y a un toutou qui passe. Alors, ici, c'est mon tiroir avec mes feutres. Donc, mes gels pen d'action. Allez, pépé, voilà. Là, mes feutres fins de Zenacolor. Ici, bon, je ne vous les ai pas encore présentés. Oh là,
Je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. C'est les derniers que j'ai achetés. C'est des marqueurs métalliques également de chez Action. Je vous ferai une vidéo dessus. Là, encore des gels pen d'Action. Et ici, dans ma trousse. Donc, j'ai encore des feutres à descendre qui sont... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ça, c'est les derniers brush pen que je vous avais présentés, que j'ai mis dans cette trousse. Et derrière, du coup, en haut, j'avais retrouvé... non, c'est pas cela, c'est ici. Des stylos paillettes. Voilà. Je ne sais plus où je les avais eu, ceux-là. Donc, là, pour l'instant, c'est dans cette trousse-là. Allez. Donc, ça, c'était une Webster page. Voilà. Désolée. Voilà. Alors, ça, c'est les feutres. Mais je vous dis, je dois remettre ceux qui sont en haut. Je dois les redescendre. Voilà. Bon, après, j'ai les câbles de mon téléphone, hein, mais ça, c'est pas très intéressant. Ici, alors, les crayons de couleur. Alors, mes polycolores que je vous ai présentés encore il n'y a pas longtemps. Donc, cela, c'est pour faire les visages, les peaux. Voilà. Donc, toutes ces vidéos-là ont été faites il n'y a pas longtemps. Mes crayons aquarelles. Alors, cela venait de Lidl. Voilà. Ici, une boîte donc avec deux tiroirs que j'avais eu à Action. Ça c'est ma réserve de gomme. Encore une fois, de ma gomme électrique. Et ici, alors ça, c'est la boîte de fusain. Crayon fusain de chez Action. Voilà, comme ceci. Donc, c'est pour faire des dessins, bien sûr. Alors, si je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, ben alors, je n'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, je n'arrive plus à la refermer. Ah, voilà. Et là, ce sont des crayons, pareil d'Action. Voilà, qui étaient vendus avec le petit tas de crayons. Donc, c'est des... Il y a des HB, il y a des HB, des 4H. HB, 4H, après, il y a quoi dedans? Des B, il y a toutes les références dedans. Ensuite, ça c'est une trousse où j'ai toutes sortes de crayons dedans. Voilà, bon là il y a un peu de tout. Voilà. On va remettre. Alors pour l'instant il est pour ainsi dire vide, je vous montre, voilà. Alors je n'ai que ma boîte, la dernière boîte d'aquarelle que je vous ai montré en vidéo, donc celle-ci en tube. Toutes mes autres aquarelles sont en haut et celle-là je dois les descendre, je vais les descendre demain pour les mettre dans mon tiroir à aquarelle. Donc voilà, lui pour l'instant tout seul. Donc voilà, je vous remonte un petit peu et il me reste
Voilà. Il me reste donc la manette d'action qui est là-bas, ici, parce qu'elle, elle ne rentre pas du tout dans le bureau. Donc pour l'instant, elle reste sur ma tour. Ma tour qui est là. Il reste encore des choses à trier sur le coloriage, tout ça. Et le premier tiroir qui est là, c'est tout ce qui concerne la broderie. Donc là, j'ai encore des choses à ranger. Et voilà. Donc après, puis j'ai encore ce carnet. Enfin, voilà. Ça, vous devez connaître aussi. Hein. Vous avez dû le voir déjà à Action. Donc, je commence à m'en servir justement pour comment pour préparer mes vidéos. Voilà, je commence à faire ma liste des vidéos que j'ai à faire, des choses que vous me demandez, je les note dedans. Comme ça, j'oublie pas. Parce que sinon, je suis un vrai poisson rouge et j'oublie ce que vous me demandez. Et moi, j'oublie ce que j'ai à faire aussi. Voilà. Alors, je vais me retourner. Donc, voilà. Hop là là. Je suis trop basse. Alors, attendez, je vous remonte. Je pense que ça ira mieux là. Alors, je vous montre quelque chose. Regardez, là. Donc, du coup, j'ai mes bébés qui dorment. Alors, vous voyez, c'est un canapé. Mais c'est plus notre canapé. C'est leur canapé à eux. Voilà. C'est le canapé des toutous. Ils sont malheureux, les toutous, ici. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je vous ai pas montré grand chose, mais je vous ferai peut-être une vidéo dès que j'aurai vraiment terminé de ranger tout mon bureau vraiment comme je souhaite. Quand j'aurai vraiment descendu tout ce que j'ai, enfin il n'y a pas énorme à descendre, hein, je vous rassure, parce que sinon je ne saurais pas où le mettre non plus. Puis là, bon, on a repris aussi un petit meuble pour Chouchou aussi, pour ranger aussi ses affaires de coloriage. Mais on a un problème. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, hop, hop. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà, c'est le petit meuble là, vous voyez. Alors, on l'a reçu hier, on l'a monté hier, mais vous voyez, il y a un trou. C'est un tiroir. On n'a pas pu monter ce tiroir là, excusez-moi, je vous fais bouger. On n'a pas pu monter ce tiroir là parce que ils ont fait les trous au mauvais endroit. Voilà, les trous ne correspondent pas. Là j'ai essayé de téléphoner tout à l'heure à la boutique et ça répondait pas. Donc je vais essayer de rappeler demain. Et sinon, je vais leur envoyer un email parce que je sais que sur le répondeur, ils disent que s'il y a un souci, il faut envoyer un email avec les photos et avec la facture. Et puis, ils renverront les pièces manquantes ou défectueuses. Donc, je pense que c'est une société assez sérieuse. Donc, voilà. Du coup, il lui manque un tiroir pour pouvoir finir de ranger ses affaires de coloriage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, c'est pas du chêne hein, non plus. Donc, c'est pas des meubles là, qui coûtent très cher. Mais bon, voilà. Et on a profité du coup pour changer notre table aussi. Parce qu'elle était énorme. Elle prenait une place incroyable. Donc, la table est partie. Et là, on a repris une plus petite table. Qui fait 1m20, je crois, même pas, à peine 1m20. Donc, on n'est qu'à deux à la maison, donc ça nous suffit largement. Donc, depuis hier, on devait recevoir les colis une semaine séparée, mais on a reçu les trois colis
d'un coup. Donc depuis hier, ben, on n'a fait que monter les meubles. Donc là, Chouchou est mort. Il est crevé. Le pauvre, il a son dos en miettes. Donc il est parti se coucher. Bon, il se couche toujours de bonne heure, mais là, il est parti se coucher complètement claqué. Et en plus, la table, on a eu des problèmes aussi. Pareil, il y avait un problème, les trous, comme ça, hein. Donc là, on a bricolé nous-mêmes. C'est comme notre table était partie, il nous fallait absolument qu'on a réparé la table nous-mêmes. Monter la table, ça nous a pris 4 heures. Tellement que. Alors, un plateau 4 pieds, hein. On a galéré, galéré, galéré. Ça nous a pris 4 heures. Et le bureau, pourtant, vous voyez, il y a des tiroirs, tout, ça nous a pris qu'une heure et demie. Le bureau, ça a été nickel. Lui, aucun problème. Mais bon, ça arrive. Donc voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir de ranger, bon, recevoir le tiroir, et puis après, bon, tout sera rangé, on sera tranquille. Et moi, je suis contente, c'est d'avoir un bureau en bas, en plus. Comme ça, pour faire les coloriages, ben, je suis tranquille, j'ai tout sous la main. Et je peux faire du coloriage à n'importe quelle heure, du jour ou du soir, pas la nuit, hein. Du jour ou du soir, et j'ai tout sous la main, je peux faire ce que je veux. Tranquillou, voilà, même si je veux faire du DP, je peux faire dessus, voilà, je suis tranquille, et comme il est assez large, je peux mettre ma caméra dessus, donc je peux vous faire des vidéos sur mon bureau, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre les. Si jamais ça vous intéresse, hein, au cas où vous cherchez un bureau, pourquoi pas. Je vous mettrai le lien de mon bureau, de là où j'ai acheté. Bon, c'est Amazon, hein, moi j'achète sur Amazon, mais je vous mettrai le lien. Et j'essaierai de vous remettre quelques liens également de mon matériel que je vous ai présenté. Voilà, des crayons, des livres de coloriage. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Je vais essayer de rien oublier. Et nous, on se retrouvera donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.